Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne Bokeh. Nous allons faire la démonstration de la fonctionnalité d'import d'un agenda externe au format OpenAgenda.json. Au niveau de l'administration, en tant qu'administrateur bibliothèque, je peux créer un nouvel agenda externe. Ici, en cliquant sur Ajouter un agenda, je donne un libellé. Au niveau de la source, je vais pouvoir choisir Open Agenda. Je choisis si le moissonnage est automatique ou pas, auquel cas je vais pouvoir importer régulièrement. Et si je veux synchroniser en fait les suppressions d'articles dans Bokeh par rapport à la suppression d'agenda ou d'événements dans Open Agenda, je vais cliquer ici sur supprimer les événements orphelins. Ça va pouvoir permettre donc de supprimer les articles dans Bokeh par rapport aux événements qui auraient été supprimés dans les agendas. Au niveau de la catégorie racine portail agenda, et si le workflow a été activé, à ce moment-là, j'ai possibilité directement de mettre à valider les articles qui auront été créés. Maintenant, au niveau de l'URL, comment on va faire? Eh bien, au niveau de l'URL, sur le site Open Agenda, je vais pouvoir chercher le nom de mon agenda qui est créé. Par exemple, ici, Métropole européenne de Lille. Je peux faire une recherche spécifique pour spécifier un type d'événement particulier. Donc là, je cherche uniquement les événements pour enfants. Je vais cliquer sur Exporter. Et là, j'ai la possibilité soit d'exporter la dernière recherche, soit de tout exporter. Je n'exporte que la dernière recherche ici. Je clique sur JSON. Et là, je vais copier et coller cette URL directement. Voilà. Et valider. À partir de ce moment-là, je peux moissonner les événements, soit en cliquant ici, soit en cliquant au niveau de la liste, à ce niveau-là. Et si le batch a été activé, à ce moment-là, les événements se synchroniseront automatiquement. Donc là, je clique sur moissonner. Et Bokeh va créer autant d'événements que d'événements à créer dans Open Agenda avec une date, un événement par date. Il crée un article avec un titre, le lieu, synchronisé par rapport à la géolocalisation des lieux dans Open Agenda. Donc éventuellement, si j'ai des lieux déjà dans Bokeh avec la même localisation, ils vont être automatiquement relié au même lieu. Ensuite, l'article est déjà créé avec l'image et toutes les informations, les conditions, l'âge, etc. Le petit descriptif, le résumé, idem. Les tags aussi. Voilà. Donc j'espère que cette fonctionnalité vous aura plu, vous aura intéressé. Si vous souhaitez paramétrer plus finement les exports des agendas, la documentation de Open Agenda est relativement bien faite et vous pouvez la trouver dans le lien qui sera en commentaire de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne continuation et à bientôt sur la chaîne Bokeh.